émotions, je voudrais surtout dire intelligence émotionnelle ou gestion émotionnelle. Aujourd'hui, les émotions, ça devient une vraie préoccupation chez les parents. Je pense que ça l'a toujours été, mais encore plus aujourd'hui, on est vraiment tourné vers nos enfants. Et donc, développer l'intelligence émotionnelle quand on ne sait pas soi-même gérer ses propres émotions, eh bien, c'est là où on se rend compte que ça devient compliqué quand on est parent, parce qu'on fait tous avec les moyens dont on dispose, c'est-à-dire qu'on console un enfant qui est triste, on rassure un enfant qui a peur, on courbe le dos à chaque fois qu'il fait une crise, et on ne sait pas tellement comment aborder tout ça. Et n'ayant pas appris nous-mêmes, ça devient très compliqué quand nos enfants nous exposent leurs émotions de manière assez virulente, on va dire. Et donc, c'est essentiel. Pourquoi ? Parce qu'une bonne gestion émotionnelle, c'est ce qui va permettre à un individu de construire une sécurité intérieure forte, avoir confiance en lui, pouvoir développer de l'empathie, de la bienveillance, de l'amour de soi, de la compréhension de soi. Donc ça devient vraiment essentiel, et en tant que coach, et pour avoir accompagné des centaines et même des milliers de gens, je sais que c'est toujours en trouvant l'origine émotionnelle d'un problème qu'on arrive à débloquer le problème, quel qu'il soit dans sa vie d'adulte. Donc ça devient aujourd'hui urgent, j'ai envie de dire, de développer cette intelligence pour les enfants, et c'est le but justement de ce coffret Animotion. On sait que les enfants apprennent mille fois mieux dès que c'est ludique, et qu'on peut faire entendre n'importe quelle pédagogie à un enfant à partir du moment où ça devient un jeu. Et d'ailleurs, moi, je l'ai constaté assez tôt dans ma vie de maman, avec ma fille aînée, où quand j'avais des difficultés pour les devoirs, eh ben, je transformais le devoir en jeu, et tout à coup, le fait de rendre quelque chose de ludique, ça permet à un enfant de s'impliquer. Parce que gérer ses émotions, il ne va pas forcément avoir envie de le faire tout de suite. Mais quand on va lui proposer, et c'est le but de ce coffret justement, des tas de cartes, des tas d'outils colorés, ludiques, avec des jeux, je crois qu'il y en a 12 dans le coffret, ça va devenir tout à coup beaucoup plus facile, et ça va rentrer dans l'apprentissage de manière plus évidente. Ça permet aussi aux parents d'avoir des outils, voilà, qui ne soient pas trop stricts. Hein, on leur fait déjà faire les devoirs, toutes ces choses-là qui sont un peu pas toujours faciles à faire à nos enfants. Donc dès lors qu'on propose un jeu, bah, je pense qu'il n'y a aucun enfant, quand on lui dit bah, « tiens, on va jouer », même si c'est pour les émotions, qui ne va pas être d'accord. Et ce que je constate, moi, c'est que les enfants sont friands, en fait, d'apprendre à mieux se connaître. Ce sont de petites machines à apprendre. Ils ont justement cette envie et cette appétence pour les apprentissages. Et justement, le jeu est le vecteur par lequel on va pouvoir faire passer des informations et donner de bonnes habitudes à nos enfants pour apprendre à gérer leurs émotions. Enfants. On a tous un enfant qui sommeille en nous, et qui se souvient d'avoir eu des difficultés avec ses émotions. Et aujourd'hui encore, à l'âge adulte, on sait que la plupart des adultes ne savent pas gérer leurs émotions, ou en tout cas trouvent des biais pour faire taire une tristesse, une colère. On va se jeter sur une cigarette, un verre de vin, sa carte bleue, un gâteau au chocolat, ou le travail et même le sport parfois qu'on va faire à excès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a des émotions, du fait qu'on ait été un enfant qui n'a pas su les gérer, la transmission va être compliquée. Donc moi, je m'adresse aux enfants, pourquoi ? Parce que je rêve, comme sans doute plein de gens, d'un monde meilleur, et je sais que ça va passer par les enfants, par nos enfants. Ce sont eux qui vont construire demain le monde, et ce monde bienveillant et humaniste auquel j'ai envie d'apporter ma pierre. C'est pour ça que l'enfant, c'est un sujet qui me touche particulièrement, parce que je sais plusieurs choses. La première, c'est que quand on est un enfant, on est câblé pour apprendre. Résultat, plus on commence tôt et plus on s'outille pour la vie. Et ça, c'est fondamental, parce qu'il y a de nombreuses études sur le sujet où on se rend compte qu'une mauvaise gestion émotionnelle va créer des troubles à l'adolescence et plus tard dans la vie d'adulte. Alors, à quoi ça va servir? Ça va servir, encore une fois, à avoir plus d'empathie aussi et plus de bienveillance, et donc à mieux gérer les relations qu'on peut avoir avec les autres et ne plus les prendre contre soi ou pour soi, mais avoir plus de recul et plus de hauteur par rapport à ses émotions, mais aussi par rapport à celles des autres. Donc ça développe l'acceptation de soi, mais aussi l'acceptation de la différence de ce qu'est l'autre, et une meilleure lecture des comportements humains. Histoire.
dans ce coffret, j'ai mis des histoires, voilà, j'en ai créé une quinzaine, je crois, parce que un enfant va plus facilement s'identifier à un personnage. C'est pas pour rien que chaque année à Noël, on va vendre des capes et des déguisements de princesses, de héros et autres. Un enfant s'identifie à ce qu'il voit. Et quand on raconte une histoire, il faut savoir que dans le cerveau de l'enfant, il devient le personnage. Il s'identifie à 100% à ce personnage. Et donc j'ai voulu donner aux émotions le rôle qu'elles ont réellement, c'est-à-dire elles sont nos amies. Elles ne sont pas des ennemis, ce n'est pas mal d'être en colère, ce n'est pas mal d'être triste, ce n'est pas mal d'avoir de la jalousie en soi. Tous ces sentiments sont complètement normaux, ils traversent tous les êtres humains de manière plus ou moins intense et selon les circonstances, les interactions qu'ils vont avoir. Et donc à travers ces histoires que j'ai créées, en collaboration d'ailleurs avec mes filles qui se sont prêtées au jeu, eh bien l'idée c'est de vraiment faire vivre à l'enfant ce que vit le personnage pour qu'il s'identifie et se rende compte. 1. C'est normal, je ne suis pas tout seul, d'autres vivent la même chose que moi. 2. Il y a des possibilités de vivre bien avec ça et de savoir quoi faire quand ça m'arrive. Et 3. Je comprends aussi l'autre et je comprends aussi ce qui se passe autour de moi quand moi j'ai ce genre d'émotion qui conduit parfois même à des attitudes. Apprentissage. Il me semble, moi, en tant que parent, que enseigner à nos enfants et leur apprendre des choses qu'on n'apprend pas à l'école, c'est fondamental et essentiel. Parce que je ne connais aucune personne qui soit venue me voir en me disant « Tu sais, Noémie, j'ai eu des mauvaises notes, j'ai pas gagné assez d'argent, j'ai pas réussi à être le premier au concours de football dans ma classe. » Non, les gens viennent pour des soucis qui génèrent des émotions difficiles. Donc l'apprentissage, c'est fondamental et ces choses-là ne sont pas apprises à l'école. La gestion émotionnelle, ça ne fait pas encore partie de l'apprentissage dans nos écoles, même si j'ai énormément d'enseignants qui justement ont développé la méthode des animations dans leur classe et j'en suis très fière. Mais je sais aussi qu'il y a d'autres enseignants qui s'intéressent aux émotions parce qu'elles voient des résultats quand on s'intéresse aux émotions des enfants et quand on les aide à développer et à comprendre et à apprendre comment faire. Il faut savoir que derrière toute émotion mal gérée se cache une blessure ou se fabrique une blessure. Et il n'y a pas besoin de grand-chose pour fabriquer une blessure chez un enfant. Un parent un peu distant ou qui est un peu trop occupé peut créer une blessure de rejet, d'abandon ou autre chez un enfant. Donc apprendre, comprendre et se former au plus tôt pour aider nos enfants et pour les outiller pour la vie, je pense que c'est vraiment fondamental parce que ça va permettre d'avoir un monde peut-être meilleur et surtout armer nos enfants pour un monde qui n'est pas toujours simple. La vie, c'est jamais un long fleuve tranquille. Et donc savoir, même en cas de difficulté, être vraiment outillé et armé pour les surmonter et les surmonter du mieux possible.